Bonjour la famille, c'est moi Gilmas. Saratola. 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 N'est-ce pas que c'est toi qui avais amené l'histoire de Nana Ketchup sur les réseaux sociaux? Saratola, est-ce que ce n'est pas toi qui avais dit que Nana Ketchup c'était une femme de boulevard? Saratola, est-ce que ce n'est pas toi qui avais dit que Nana Ketchup il vend les filles au Congo Brazza? Saratola, ce n'est pas toi qui as dit que Nana Ketchup livre les filles à la prostitution au Congo Brazza? Toi, Saratola, tu n'as pas dit ça? Saratola, ce n'est pas toi qui as dit à tout le monde que Fally Ipupa est homosexuel? C'est toi, Saratola. Les vidéos sont là. Tout le monde sait que les vidéos sont là. Les gens continuent à écouter les vidéos là. Les gens disent que tu veux te faire une femme sainte. Je vais détailler beaucoup de choses dans la vidéo ici. J'aimerais que vous, les gens qui m'écoutiez, partagez la vidéo. Commentez si vous avez des commentaires. Likez la vidéo pour donner de la force à la vidéo ici. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Puisque à un moment donné, il faut mettre les points sur les i. À un moment donné, il faut dire de la vérité. Il faut quitter l'esprit de protection. Il faut maintenant relater la réalité comme elle est. Nous étions ici tous aux supporters de Kimenga. On ne parlait pas des choses aux supporters de la vie de Nicky Menga et ses enfants. Par surprise, Saratola, elle nous a relaté des vérités qui étaient au-dessus de nos attendements. Elle nous a pompé de beaucoup de choses catastrophiques. Mais l'éloyo, c'est Saratola qui veut se faire comme c'est la vraie Wario. Maintenant, moi, je me demande pourquoi Binoba Wario, vous les Wario vraiment, vous les vrais supporters de Fally Ipupa, comment êtes-vous capable à vivre aux côtés de Saratola? Comment êtes-vous vivre à vous approcher de la personne comme Saratola? Saratola, la femme qui a déstabilisé les foyers de Fally Ipupa, la femme qui a déstabilisé, qui a déshabillé Nana Ketchup à public, la femme qui nous a vraiment parlé de la vie de Nana Ketchup que personne ne connaissait sur les réseaux sociaux. Vous les fans de Fally, à combien de fois vous êtes des idiots? Si vraiment tu supportes Fally Ipupa, comment tu peux être à côté de la personne qui a dit que Nana Ketchup c'est une fille de la rue? Elle a dit ça. Les vidéos sont là. Elle a dit que Nana Ketchup c'est une fille de couloir. Donc elle était une pute. Saratola qui nous a donné des informations pareilles. Malheureusement, nous avons vu Fally Ipupa en train de la louer, la jeter des fleurs, ce qui est inconcevable. Nous avions vu Chantal Bomolo insulter la fille propre de Fally Ipupa. Insulter la fille de Fally Ipupa, pas la fille de son voisin, la fille de Fally. La fille que Fally a toujours louée partout. La fille apporte même le nom de maman de Fally Ipupa. Elle a été insultée. Mais nous avions vu Nana Ketchup en train de souhaiter joyeux anniversaire à la dame là. Nous avions écouté Fally Ipupa en train de chanter le nom de la femme qui insulte son enfant, sa progéniture, sa prémisse. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous parler de la jalousie qui règne autour du succès de Ferregola Inosbi. Si vous regardez tous ceux qui insultent Ferregola, Fally Ipupa, c'est encore Saratola. Il y a Maman Mapasa, Chantal Bomolo,
des mères officielles venir s'ajouter dans les clics des bandits, dans les clics des malfaiteurs, dans les clics des femmes insensées. Maintenant, je vous ai suscité les femmes insensées de la communauté. Maman Mapasa, Chantal Bomolo, des mères officielles, Sarah Tola. Il y a aussi l'autre là, Gloria Olang. Une femme qui n'a pas de valeur, une femme qui n'a pas de la pudeur. Moi, si Aboye, Azako sa la vidéo, Azako finanga. Juste parce que je suis en train de défendre la vraie cause, la vraie valeur. Awa ozako bobo nani mama mapasa ofinginga na live na bino po na kaka bofingi mwana oyo kelia mwana kelia bofingi katia kati m'a insulté. Tu sais que je veux venir, tu sais que je veux venir me défendre. Mama lakisa na no biso mwana na yo lakisa na mwana epunga na je te mets à défi. Je te mets à défi, Sarah Tola aussi, je te mets à défi. La qui sanga mobali na yo, maman ma passe, montre-moi ton mari, parce que Oyebinga, tu me connais. Moi, je veux connaître ton mari, puisque moi, je veux parler à ton mari. Toi, tu es une femme, je ne peux même pas. Je ne peux pas essayer, tu es une femme. Je veux me comparer à ton mari. Chantal Bomolo na kolobate, parce que ye aza maman mukolo, aza na mutakolinga ya zate. Des mères officielles, je te mets à défi. La qui s'en a moubali, non. Sarah Tola, yoza na moubali, te. Otia, un gigolo chez toi. Ce qui Diego Milito, c'était un gigolo. Je ne peux même pas me comparer à lui. C'était un gigolo. C'était un gigolo. Na mouninga na yete. Je ne suis pas son camarade. Ce qui n'a défendre Ferry, ya yo nini. Ce qui n'a défendre Niki, ya yo nini. Eh ba maman, ce qui nga na décidé ko défendre bango ya yo nini. O komi ko finga nga zoba moko boye. Muto a Canada ya zoba. Finga. Mais yo moko ebi ke na zoba te. Tu sais que je ne suis pas zoba. Tu le sais bien. Sika, moi j'ai compris, les gens qui parlent trop ne sont pas intelligents. Surtout les femmes qui parlent trop et ne sont pas intelligentes. Tu n'es pas intelligente, Sarah Tola. Tu n'es pas intelligente. Tu ne vis que des insultes. Tu ne vis que des insultes. Tu n'as rien dans ta tête. Tu n'as rien de bon dans ta tête. Sarah Tola, je te mets à défi. Ça, la émission, l'obéla makambu. Oye, qu'est-ce la peuple? Omeka ki makambu, ce qui a histoire vraie. Et kenda wapi. À part Kofinga, tu ne peux rien faire de bon. Na tiye na défi. À part que finga Sarah Tola, tu n'es pas bonne, tu n'es rien dans la tête. Maman Mapasa, à part que finga, obimeli na kofinga, à part que finga, tu n'as rien dans la tête. Je ne peux même pas m'engager ngana yo to osola nini. Maman Mapasa, moi et toi, on va se parler de quoi? Je n'ai pas ton niveau. La capacité intellectuelle, la capacité de voir les choses, la capacité d'assumer les choses. On n'a pas la même façon de voir les choses. Chantal Bomolo, je ne peux même pas parler d'une vieille comme ça. Une vieille de la communauté, une vieille qui est venue de nulle part. Malheureusement, elle a échoué dans la vie. Une femme qui devrait se préparer pour aller à la retraite. Mais c'est elle qui est en train de vergonder sur les réseaux sociaux. Se mélanger dans des patates, puisqu'elle ne comprend pas le sens de la vie. Chantal Bomolo, est-ce que tu as le sens de la vie? Est-ce que tu comprends même qu'est-ce que la vie? Petit Oyope de Mère Nyangi. Nga ningaka koloba makambu na yote la petite. Parce que tu me connais, on se connaît bien. Je ne suis pas ton camarade. Quand tu es aux akonzuata na yo, ya ko finga mutu lokola feri,
excusez-moi, Moutouloko l'a fait. Est-ce que tu, au sommet, tu t'es déjà mis dans ta place? Tu t'es déjà mis dans ton assiette? Et si on sait la Kabbalah, il y a Kotoka, Moutouki, Moutouki, Moutouki. Tu t'es déjà comparé à une personne comme Fali, à une personne comme Ferry. Fali a zakobanga fer. Et bongo yo, des mères officielles. Fali a banga ka fer. Et bongo yo, kamwana mwasi kaka boy. Encore mwasi oyo, azanga mubali. Des mères, tu es presque comme une poubelle aux hommes. Tu as couché avec combien d'hommes dans ta vie? Des mères officielles, des mères nyangi. Tu as couché avec combien d'hommes dans la vie? L'âme, ce qu'on a monté, tu as pris des 10 garçons que tu as tapés dans la vie. Bangonyo, tous ces hommes-là, t'ont fui. Plus de 10 garçons que tu as couché avec des mères. Tous ces hommes-là, t'ont fui, t'ont abandonné. Tu vois? Parce que tu n'as rien dans la tête. Ça, c'est vérité. Maintenant, un monsieur qui peut te donner la vie, une personne qui peut avoir pitié de toi, un monsieur comme Ferry, pas juste parce qu'il peut te parler, grâce à lui, grâce à ton savoir parler, peut ouvrir des portes à beaucoup de personnes. Tu ne sais pas, Osakobosana, que tu te fermes des portes sans le savoir. Regarde ton frère, il y a des gens qui sont là, il y a d'autres personnes qui ne sont même pas capables d'insulter Ferry, mais ils envoient les gens pour l'insulter. Mais comme Vincent de France Théma, ils sont malins. Ils savent que, et s'ils prononcent les mots, ça va être lourd, mais ils envoient les gens et ils se sauvent la vie. Ils deviennent comme des innocents. Toi, tu n'es pas capable de les faire. Et puis, tu vis dans un pays où on vit au temps du jour. Tu ne sais pas celui qui peut te sauver demain. Moi, je te donne un conseil gratuit de mère. D'abord, un, tu n'es pas belle. Et puis, tu as augmenté la jalousie. Tu es haineux. Tu es jalouse. Et puis, tu n'es pas attirante. Toutes ces choses-là, ça t'attire de la malédiction. Mais si tu étais quand même, même si tu n'es pas belle, si tu étais quand même une personne gentille, intelligente, accueillante, réfléchie, ces qualités-là pourra te sauver. Mais malheureusement que ton téléphone, puisque je suis sûr que tu utilises le téléphone, ton téléphone là t'a trahi. Ton téléphone t'a menti. Tu penses que parler devant les caméras, ça va te faire une grande personne. Le peu d'argent que vous trouvez sur les réseaux sociaux, depuis que tu es en train de récolter l'argent là, tu es déjà arrivé où? Regarde les gens qui ont commencé après toi. Soit les gens qui étaient toujours devant toi. Regarde leur stabilité. Les personnes comme Emma Loué, je sais pas, la petite Sonne ici, qui était la femme d'Abbé Dachou. Regarde comme les Disson. Il y a des personnes. On les voit sur les réseaux sociaux, elles sont en train d'exceller. Mais na katia biloko zo salate. Bouzoba, kaka bouzoba. Moi, je suis capable de faire 2 mois sans parler de la musique. Je le fais au moment où on portait, quand je vais. Je parle de la vie du Canada, de la vie de l'Occident. Je le fais. Tu es prêt, quand tu as la vidéo, je le fais à chaque fois. Et je suis mieux payé même quand je fais les vidéos de Congo, de Congo Sala. C'est pour cela que j'ai ouvert une autre chaîne où je vais commencer maintenant à jeter de telles vidéos là-bas pour te montrer que je peux être coach, intellectuellement coach. Et puis quand je fais le Congo Sala, si je vous mets seulement en ligne, moi je suis... Je ne suis pas comme toi. Quand vous allez commencer à insulter les gens, il faut avoir de la maîtrise, il faut avoir des lignes de conduite, il faut avoir de la manière. Je pense que la vidéo aussi va vous donner des conseils, va vous mettre sur votre rail. Une femme comme Sarah Tola ne pouvait même pas parler devant Fali, devant Nicky Menga, devant qui que ce soit. C'est une femme qui devait retourner vendre des makala. Pas commencer à parler devant les gens. Comme la honte ne tue pas, dans la communauté, tout est permis. On fait tout ce qu'on veut juste pour se taper de l'argent sur les réseaux sociaux. Alors on peut dire n'importe quoi.
Sarah Toll, est-ce que tu es capable vraiment d'affronter faire rigola comme ça? Toi, vie na yo mobimba, basi mibali na mibali, mibali. Toi, tu, bino nyo soba groupe na bino bole qui s'a pris de 10 hommes na vie na bino. Bango tu bakima bino, tu as la chance aux yeux gigolo garçon et biko vivre, koko débrouillé, le mouton soki Diego. Aux yeux na libaku moko bo yepe, tellement kaza soba. Andimi parce que aibipe azana a venir été il faut sou que la raille pas na yo tala moi si en tout cas ngai je pense que Sarah Toll il faut oyekola il faut zwa mayele puisque aux autres tu es devenu n'importe quoi tu es devenu vraiment bizarre. Une femme sale en demain. Une femme sans avenir. Éducation à Bana déjà se montre que Bana Bakoza la mal éduquée. Puisque toi-même, la façon dont tu fais les choses, une manière non éducative. Gilmas Chronique d'Inet TV. Pour partager vidéo, pour liker, n'a pas si coucou à tous ceux qui m'aiment. Tous ceux qui visionnent mes vidéos. Tous ceux qui supportent la chaîne ici. Vous qui likez les vidéos, vous qui commentez sur mes vidéos, en tout cas, je vous aime trop. Vous êtes nombreux, je vous aime trop. Je vous porte seulement dans mon cœur. À bientôt.